Je vais vous parler dans ce tuto d'une fonctionnalité d'Excel qui va permettre de dédoublonner des fichiers, des listes comme celle-ci. Le dédoublonnage, c'est quoi? C'est l'identification soit de lignes, soit de cellules, dont la valeur est identique. Excel propose en effet des fonctionnalités qui vont permettre d'identifier et de supprimer ces doublons. On va les regarder. Avant ça, je voulais juste présenter une fonction qui permet uniquement de visualiser les valeurs en double. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir si à un moment donné, dans un espace sur une feuille de calcul comme celle-ci, j'ai des valeurs qui sont en double. Je ne veux pas les effacer, je veux simplement mesurer le nombre de valeurs qui sont en double. Et donc pour ça, c'est assez simple. Donc là, vous voyez, j'ai un fichier d'essai avec des listes de personnes, donc leur nom et une adresse. Et en fait, il s'avère qu'à l'intérieur de cette liste-là, j'ai des lignes en double, une ou des lignes en double, premièrement. Et puis par ailleurs, j'ai des noms de personnes qui sont identiques, mais qui correspondent à des personnes différentes. Donc les adresses, on différencie ça par l'adresse derrière qui suit. Alors, je vais donc, premier temps, essayer d'identifier ce qui, dans ce tableau-là, représente les valeurs en double par rapport à un nom donné. Donc, pour ça, je sélectionne ici la colonne, la zone en fait, sur laquelle je veux demander à Excel de m'afficher les valeurs qui sont en double. Et je vais utiliser une fonctionnalité qu'on trouve dans ce ruban accueil au niveau de la mise en forme conditionnelle ici. Et je vais choisir donc la première règle de mise en surbrillance. Et on le voit ici tout en bas, les valeurs en double. Et donc Excel me propose de mettre les valeurs en double, c'est-à-dire celles qui sont au moins deux fois figurant dans ce tableau, et il me les remplit en rouge clair. Voilà, ok. Et donc je vois effectivement que dans mon tableau, j'ai un certain nombre de noms en double. Donc certains d'entre eux, si je prends le premier Parmentier, rue Rouget de Lille, en fait on a un autre Parmentier, rue du Fleuve, c'est une personne différente. Par contre, ce qu'on voit, et c'est vrai pour à peu près tous, tous ceux qui sont en rouge, sauf celui-ci, donc Roger, qui est ici à une allée, allée du marché, on a exactement la même adresse. Donc là, c'est une vraie duplication pour cette ligne Roger. Donc maintenant, je vais vouloir dédoublonner, c'est-à-dire, je voudrais conserver dans cette liste-là uniquement les personnes qui sont différentes. Donc si elles ont le même nom, mais qu'elles habitent à des adresses différentes, je veux les garder. Et donc, je vais faire un tri, en fait, et je vais demander à Excel de m'enlever toutes les lignes qui sont strictement identiques. Alors, pour ça, cette fois-ci, une fois que j'ai cliqué à l'intérieur de cette zone, je n'ai pas besoin de la sélectionner complètement, un clic à l'intérieur. Je vais ensuite dans l'onglet ici, Données, et j'ai ici cette icône, Supprimer les doublons. Donc, je clique sur cette icône, et là, j'ai deux options, donc on le voit ici, qui me sont proposées. Soit donc Excel a repéré les différentes têtes de colonnes qui constituent ce tableau et il me propose de pouvoir les sélectionner toutes ou seulement un sous-ensemble. Alors toutes, quand elles sont toutes sélectionnées, qu'est-ce qui va se passer? Excel va chercher les valeurs pour lesquelles ces différentes cellules sont strictement identiques. Donc il va rechercher toutes les lignes qui sont exactement les mêmes et il va les supprimer. Puisque le dédoublonnage, c'est supprimer les doublons. Donc, il va effectivement supprimer les lignes correspondant aux doublons. Donc là, il suffit de faire OK. Voilà. Il m'a dit combien il a trouvé de valeur en double et qu'il a supprimé. Donc, est-ce qu'il reste effectivement une valeur en double. C'est la ligne Roger que j'avais tout à l'heure. Alors, si je fais OK, alors on voit toujours que mon formatage conditionnel là, que j'ai mis tout à l'heure, il est toujours appliqué. Et j'ai toujours des noms en double de par le fait, puisque j'ai décidé de garder ces noms en double qui correspondent à des personnes différentes. Alors là, j'ai fait ça sur des lignes strictement identiques. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec l'autre option donc, où je peux sélectionner des colonnes. Alors là, ça correspond, ce modalité de dédoublonnage correspond à un objectif de tri différent. Donc pour ça, je vais revenir en arrière, me remettre sur mon tableau tel qu'il était juste avant le dédoublonnage. Voilà, je retrouve toutes mes lignes. Et je vais donc, de la même façon, repartir pour supprimer les doublons. Et là, mon objectif, je le disais, de tri est différent. Ce que je souhaite obtenir, c'est une liste dans laquelle je veux avoir que des noms différents. Dès que j'ai un nom qui apparaît en double, je veux qu'Excel me supprime cette ligne. Donc je veux avoir un fichier de nom avec des noms uniques. Et donc pour ça, je vais demander à Excel de dédoublonner sur le champ nom. Donc je vais désélectionner tous les champs, je vais sélectionner ce champ nom et je fais OK. Et là, cette fois-ci, il m'a trouvé 4 valeurs en double et qui m'a supprimé. Donc, toutes les lignes correspondantes, il me les a supprimées. Si je fais OK, vous allez voir, l'ensemble de mon formatage conditionnel est toujours présent, mais sauf qu'il n'y a plus de valeurs en double. Donc, je n'ai plus rien en surligné rouge à l'instant. J'ai donc ici une liste avec uniquement des noms qui n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, encore une fois, ce modalité de tri avec toutes les colonnes sélectionnées ou seulement certaines, ça dépend en fait de l'objectif de tri recherché. Ce tuto est maintenant terminé.